Everlove. Everlove, la fille d'Aliantus, qui fut la première gagnante pour ce jeune et talent prometteur, Aliantus, qui est disponible au Rade de la Courlay, chez Jérôme Delaunay. On va entendre la voix dans un instant. Alors, juste un petit entre parenthèses, n'hésitez pas, il vous reste encore une dizaine de lots pour remplir quoi ? Pour remplir les bulletins d'inscription pour les demi-saillies gratuites, dont le résultat va être tiré au sort dans une dizaine de lots à la fin des étalons galopeurs, c'est-à-dire à partir du lot 80. Donc, vous n'avez qu'encore quelques minutes pour le tirage au sort pour vous inscrire. Aliantus, donc, est présenté par le Haras de la Courlay. Un jeune étalon, comme je vous le disais, qui a fait ses débuts en 2014 et qui est déjà le père d'Everlove, la 2 ans Everlove, qui a gagné à plusieurs reprises l'an dernier, issu de la première génération de ce fils d'Hernando qui avait été acheté 120 000 euros yearling sur le ring de Baden-Baden. Il avait été élevé en Allemagne et il avait été acheté par le baron George von Ullmann sous la casaque pour laquelle il a gagné l'Istud à 3 ans à Bremen. On l'a pas revu à 4 ans, mais en revanche, il est revenu en compétition à 5 ans en gagnant un groupe 2 à Cologne, un groupe 3 à Düsseldorf. Et il était encore deuxième en fin de saison. Deuxième de qui ? Deuxième de Raj Zaman, le père de Bramto, dans le prix Perse, un groupe 3. À 6 ans, tenez-vous bien, il a remporté 3 groupes 3 consécutifs, ainsi qu'un groupe 2 à Düsseldorf, et encore un nouveau groupe 3 en fin de saison. Et à 7 ans, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a regagné groupe 3. Bref, un très bon fils d'Hernando, un multiple lauréat de groupe que ce fils d'Hernando sur le mile, c'était un spécialiste du mile. Son demi-frère, par Dubaoui, avait été acheté 360 000 euros yearling en 2013. Aliantus, un fils d'Hernando, donc, qui est disponible au Rade de la Courlay à 1 600 euros la saillie.